Dans un livre, Gilles Brandreth affirme qu'Elisabeth II a lutté contre un cancer avant de mourir. La famille royale l'aurait autorisée à dévoiler cette maladie selon une autre spécialiste. La couronne voudrait couper l'herbe sous le pied au prince Harry. Et si Elisabeth II avait lutté contre un cancer à la fin de sa vie? Si est-ce ce quoi sur Gilles Brandreth dans sa biographie Elisabeth, en intimate portrait. Selon le journaliste, Sa Majesté n'est pas décédée de vieillesse le 8 septembre dernier, comme l'avait annoncé tristement Buckingham Palace, et comme l'a écrit le médecin de la famille royale dans son certificat de décès. J'avais entendu dire que la reine avait une forme de myélome, cancer de la moelle osseuse, qui expliquerait sa fatigue et sa perte de poids et ses problèmes de mobilité dont on nous a souvent parlé au cours de la dernière année de sa vie, a écrit Gilles Brandreth dans sa biographie. Le symptôme le plus courant du myélome est la douleur osseuse, en particulier dans le bassin et le bas du dos, et le myélome multiple est une maladie qui touche souvent les personnes âgées. Actuellement, il n'y a pas de remède connu, mais le traitement, y compris les médicaments pour aider à réguler le système immunitaire et les médicaments qui aident à prévenir l'affaiblissement des os, peut réduire la gravité de ces symptômes et prolonger la survie du patient de plusieurs mois ou 2 à 3 ans, peut-on lire dans cette biographie. Après cette révélation, des commentateurs royaux ont réagi. Selon Kinsey Scofield, le prince Harry et Meghan Markle n'auraient jamais été mis au courant de la possible lutte d'Elisabeth II contre ce cancer. Dans son podcast Today for Daily, elle explique avoir une théorie très intéressante. Le biographe aurait eu l'autorisation de la famille royale de révéler cette maladie. Afin que le prince Harry ne la dévoile pas dans ses futures mémoires. Le prince Harry en plein règlement de compte? Gilles a obtenu la permission de la famille d'inclure cela dans son livre pour s'assurer que ce n'était pas une révélation si Harry l'incluait dans Spare, ce qui, je pense, est très intelligent, a-t-elle ajouté. Je pense que cela pourrait très bien être le cas, car nous avons entendu les rumeurs et peut-être que la famille voulait contrôler la manière dont ces informations étaient diffusées. Le livre du duc de Sussex devrait être publié le 10 janvier 2023. Dans Spare, le prince Harry reviendra sur son parcours personnel du traumatisme à la guérison. Bien que le contenu de ses mémoires soit encore secret, elle devrait plonger les lecteurs dans l'enfance du prince, son passage dans l'armée et son service en Afghanistan, et sa vie en tant que mari et père. Selon les rumeurs en Angleterre et aux États-Unis, le prince Harry devrait également longuement se confier sur sa vie au sein de la couronne britannique. De quoi inquiéter fortement les membres de la famille royale. On aurait pu penser qu'il aurait simplement disparu dans le coucher du soleil californien, serait heureux de gagner un peu d'argent et de forger leur propre vie, mais non, s'est agacé un spécialiste de la couronne britannique il y a quelques jours. Non seulement Meghan s'est opposée à son traitement lorsqu'elle était dans la famille royale, pendant une si courte période de temps, nous avons maintenant le livre de Harry à attendre avec appréhension. Est-ce une sorte de règlement de compte? Est-ce un acte délibéré contre sa famille?